Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui Diamond Painting. Oui. Pour celles qui m'ont demandé, voilà, il y a du Diamond Painting enfin sur ma chaîne. Alors, ce n'est pas le Diamond Painting que je suis en train de faire, le grand, hein. Celui-là, ça y est, je l'ai mis de côté pour l'instant, on verra plus tard. Le DP anglais. Je l'ai abandonné pour l'instant, mis de côté. J'ai pas dit que j'allais l'abandonner complètement. Hein. Non, non. Je le finirai. Mais pour l'instant, j'ai mis de côté. Et là, j'ai commencé donc un petit kit. Alors, ça devait pas être celui-là. Je vous raconte. Normalement, je devais commencer le dernier kit que j'avais reçu de la boutique L'Éternel, parce que j'avais déjà préparé la toile, tout. Et au moment de, donc, je prépare tout, ma tablette, ma toile, mes stylets, tout. Et je cherche les perles. Plus moyen de mettre la main sur les perles. Alors j'ai cherché en bas, j'ai cherché en haut, enfin elles sont là hein, les perles, mais où, je n'en sais rien. Je n'ai pas réussi à remettre la main sur les perles, je ne sais pas où elles sont. Donc du coup ben, j'ai remis de côté. On a commencé un autre, donc c'est une Kokeshi, voilà, qui est un peu plus petit du coup que celui de l'Éternel. C'est un 30-40 avec des perles rondes, donc c'est un que je devais faire aussi hein, depuis un petit moment, que j'avais reçu au mois de janvier de la boutique Humberdil, je vous remarque en bas le nom. De toute façon, le nom sera marqué également en titre. Donc, j'ai choisi de faire celui-là, puisque bon, les Kokeshi, je les aime bien. Et puis, j'avais décidé de toute façon aussi de le faire celui-là. Bon, et puis, il faudra quand même que je retrouve mes perles de l'autre kit. Voilà. Bon, sinon, ben, voilà. Fatiguée ce soir, voilà, fatiguée et j'ai quelques douleurs ce soir là à ma langue, donc je ne vais pas pouvoir parler longtemps. Oh là 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 là. Oh. Fifi elle fait dodo aussi. Là j'ai mon pacha qui est dans les vapes également. Parce que hier, il s'est... Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il était en train de jouer dans la cour et il s'est arraché un ongle. Carrément, il a arraché un ongle complètement de sa patte arrière. Alors du coup, c'est pas la grande forme. Mais bon, on a téléphoné au vétérinaire. Il nous a dit quoi faire. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça aille mieux. Allez, je vais vous laisser visionner. Donc, cette première partie sur ce nouveau DP, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et je vous fais de gros bisous en attendant de vous retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous, bon visionnage.
Thank you.
Thank you.
Thank you.